Ça huit posé plus gros construction et ça en la passe dans des 3 mois seulement sa pont qui tient fois retiré l'eau d'un plateau pour z dans la mer la passe zi sa côté en scalis in vraiment sans e. Ça est sur construction et plus grand pont qui n'en retour sans image sa bout de mer au bord la vanille résidence et ça y aussi apparent au bord la mer côte domaine de l'orangerie côte la bande rose in gain metté pour réduire l'érosion le l'autre côté île l'union estate ça l'endroit aussi in sans e, au lien petit pont pour le côté une bonne plus jolie lance la digue en souche d'argent un grand pont est gain construit là. Ministre pour l'environnement avec sa délégation ti gagne un revis sa projet avec représentant UCPS contracteur qui responsable pour sa projet qui pour coûte environ 4 millions roupies. Ah oui, la passe. Après nous pendant ça débloque à mort. On peut ouvrir ça normal là comme ça. Là on peut ouvrir les comme. De façon qui pas plus de. Non local même vous faire côté ici. OK. Après on a pont lui même il fini. Fini avant. OK. Des sampons finis faire. Bon, oui, effectivement. OK. À part ça des grands ponts de bonne plateau aussi, il y a beaucoup de travail qui ont fait depuis janvier pour assurer qu'il y en a bonne circulation de l'eau pendant les temps la pluie. Parmi bonne Mirail Rose qui tout dit l'en bon endroit à côté de la maille passé à côté de la case de plateau. Tout cela forme partie d'un investissement environ 12 millions roupies que le gouvernement mettait à travers le comité de drainage et aussi section gestion l'adaptation climat de sa ministère. Si bon area là, on a un problème flooding ou ça si non problème non. De l'autre côté. Non problème là, il faut d'amilier côté côté de la case. Pareil côté de la case. Pas derrière dié là. Voilà côté de la blasse en montant ou pour aller un petit peu côté banné nesta. OK. Problème flooding du tout de l'eau accumulée là, il de l'eau il à cause passage conséré à cause nous besoin faire les passages. Avec saison la pluie qui peut commencer bientôt, sa ministère espérait que les autres travaillent pareil retirer gravier qui empêche circulation de l'eau pareil dans la rivière Madame Pierre en se réunion y gagne fait à temps. Les autres parties s'apposer y aussi inclut améliore ben un petit pont aussi, mais la pluie pas y expecté terminer avant saison la pluie. En effet, nous avons dit l'année 2015 est fini, nous pouvons finir à peu près compléter à peu près 80 ça. 80% de travail que nous avons targeté pour nous faire l'oladique, pour résoudre ce problème d'inondation. Avec tout ça l'investissement, le ministère de l'Environnement a mis des bonnes bandigouas pour nous aussi connecter avec sa système à travers les d'eau qui pourraient jeter de l'eau dans les lama et les autres réseaux systèmes encore. On sait par exemple que nous commençons à mettre de l'eau, nous commençons à mettre un petit rigole et puis nous avons connecté côte nous l'endroit, surtout ici dans le bas fond. Nous sommes connectés directement avec sa main drain qui nous peut travailler l'eau là. Ça pour aider à retirer la quantité de l'eau qui accumule dans les différents bassins de la case du monde. Et l'autre chose que Monica a fait, qui fois, je ne pas trop penser à l'eau là, c'est que si nous avons un tank de l'eau, nous avons une masse de l'eau pour arroser, pour nettoyer, nous avons quelque chose comme ça qu'on appelle rainwater harvesting. Ça aussi fait que l'air où gagne un gros la pluie, sa première de l'eau gagne en masse, il y a le ratec et lui parle directement le terrain. L'inondation, il y a quelque chose qui m'a dit que j'ai habité avec. Après le cyclone Félin en 2013, la situation est plus grave à cause de sa quantité de la pluie qui est tombée pour plusieurs jours, pas capable de retirer par l'infrastructure qui est en place. Mais est-ce qu'avec sa l'infrastructure, ça peut assez pour empêcher l'incident pareil arriver? Le ministère de l'Environnement dit que c'est seulement pour un gros la pluie qu'ils sont capables de tester l'efficacité de sa système de drainage.